Alors, je vais vous montrer une technique de magie. Donc, en fait, le magicien, il a un monde caché, un monde qui est visible. Le monde qui est caché, il est pour le magicien, les autres ne doivent pas le voir. Par exemple, si je mets ma pièce ici, vous ne la voyez pas, elle est cachée derrière mes doigts. Si j'ai une pièce dans cette main et que je fais comme ça, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose. Donc, tout le temps, le monde caché, il doit être caché, mais de manière équilibrée des deux mains. Je vais vous montrer un tour très simple. On va mettre la pièce comme ça et on va la coincer entre le majeur et l'index, comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse ici. D'accord? Et je vais mettre mon pouce devant, comme ça. Et je vais me tourner de côté et je vais montrer, voilà, comme ça. L'illusion qu'on a, c'est comme si je prenais ma pièce entre mon pouce et mon index, sauf que c'est derrière. Là, le geste que je vais faire avec ma main gauche, si je suis droitier, je vais venir cacher tout, prendre cette pièce, fermer et relâcher. Et là, on peut souffler, la pièce disparaît. Si ma main qui est derrière, elle reste tendue, bien sûr, vous avez compris que la pièce, elle est ici. J'ai fait, moi, le geste sans la main qui est devant, ça fait ça. Et je relâche ma main. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas vouloir la cacher. Il faut juste la relâcher, dos tourné, pour pas qu'on voie la pièce. Ça fait hop. D'accord? Là, je souffle. Je fais attention à ce que ma main, elle soit bien tendue. Je la mets vers le bas, comme ça. Je souffle. J'ouvre. Et là, je peux placer ma main comme ça, dessus. Je relâche la pièce discrètement. D'accord? Je tourne ma main et là, hop, elle apparaît. Donc, je remonte doucement. Index majeur, le pouce. Je prends, ça fait ça. Je tends mes doigts pour montrer que ma main est vide. Les doigts serrés, pas comme ça, mais tous les doigts serrés. Je relâche, je souffle, j'ouvre et je viens glisser ma main devant. Je relâche la pièce et elle apparaît. D'accord? Soit comme ça, soit comme ça. Voilà.